Salut gang. Écoute, j'ai juste plus de temps à mon horaire pour écrire un long courriel, fait que je vous envoie une vidéo. Donc, je viens d'avoir un appel du SSA. Le Centre Jules Léger a le contrat de mettre sur, de créer une ressource en littératie. En lien avec la lecture, ça s'appelle Lire un jour, lire toujours. Et puis, il cherche des écoles pilotes pour le mettre en œuvre et l'évaluer. C'est un programme d'enseignement et d'intervention en lecture pour les maternelles jardin première année. C'est basé sur la conscience phonologique, les albums jeunesse. Ça vient, c'est vraiment clé en main. Ça vient avec les ressources. Ça vient avec une planif. Ça vient avec toutes les activités, tout le matériel. On serait accompagné. Il y a quelques petites journées de demi-journées de formation, mais on est appuyé par une EEAS. C'est vraiment en lien avec la formation que les premières années ont eue cette année en conscience phonologique. Fait que je pensais vraiment de faire le pont entre la maternelle jardin et la première année. Mais c'est vraiment une programmation toute faite. Évidemment, avec qui dit projet pilote, dit aussi évaluation du programme. Donc, ça veut dire que de temps en temps, il faudrait faire une évaluation de la ressource. Donc, c'est Sylvie Lefebvre qui a dit, oh, qui l'a entendu parler, elle a dit, oh, Saint-Joseph d'Orléans serait vraiment une bonne école pour l'essayer. Fait que si je regarde là, investissement de temps, regarde bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. Donc, investissement de l'équipe école, 4 demi-journées de formation. Participer aux rencontres en CAP, environ 3. Fournir des rétroactions. Communiquer ses besoins tout au long de la mise en essai. Compléter un sondage de rétroaction. Fait que ça, c'est pour les conseillères pédagogiques qui vont appuyer là. En gros, c'est ça, je me demandais. Je me demande donc si, premièrement, les premières années vous êtes intéressés, puis deuxièmement, si les maternelles jardins aussi seraient intéressés. Je pense que ça serait vraiment une belle façon de mettre en œuvre ce qui s'en vient, là, puis d'essayer. Donc, merci beaucoup. Laissez-moi savoir. Il faut envoyer notre nom le plus rapidement possible. So, j'attends de vos nouvelles. Ciao, ciao.